عني وعن أمي وأبي. بسم الله. الله أكبر. Une prière et le sacrifice qui lance le programme de la célébration de la Tabaski 2024 par l'association Al-Islah pour les œuvres humanitaires au Bénin grâce à son partenaire cohésien, l'association caritative Tarahoum. Au total, plus de 200 fidèles musulmans de la ville de Parakou, notamment des prédicateurs et enseignants prêcheurs, ont bénéficié de cette première phase de distribution de viande de mouton et de bœuf. Igwe kanga che jamiyat al-islah no yana margune kanguna be kan ba ka te gominika chin hunu kite za kuwait no yon nan hasino kan gonu kuwait kan chin ko samakite se maka borum bine borum mana bine yanni yana margane o kan gonu sinte nan chejina kan ba ka amfani nan hanwo no ya che alfayo chu yani pe gonu kuna. No yukan chum borun wazi ngona kuna ngoya ba sinti ngoya ba jinaka in zemini sai sa da nukato o yukan gona bukata yo kan bon nayin kala yate ngoya bon abatonga. Ces animaux immolés et dépecés ont été distribués à la couche ciblée, un geste fortement apprécié. Ça va me servir beaucoup de choses, hein. Et je suis vraiment ravi de joie arrivé à la maison, la fête va se passer normalement et puis dans la grandiose et puis dans la joie et dans la paix, on est vraiment content. Je tiens à remercier vraiment les donateurs et je tiens également à remercier l'ONG pour le bienfait qu'il est en train de faire pour la population. Nous sommes très très heureux, nous sommes très très heureux vraiment. Nous ne savons pas comment remercier, nous n'avons pas les mots, mais Alhamdulillah, nous remercions Dieu, Alhamdulillah. Que Allah les récompense. Moi, avec ma famille, on va bénéficier de ça. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Après cette phase de distribution, l'association Al-Islah entend impacter d'autres bénéficiaires à travers une autre phase, toujours dans le cadre de l'Aïd Al-Adha 2024.